Ce qui me choque, c'est quand des collectivités locales ou des élus de la République l'invitent pour chanter ses chansons. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, il va falloir que la gauche m'explique ce que c'est que la convergence des luttes pour cette gauche bien-pensante, les Verts et la France Insoumise qui ont invité Médine. Clairement, c'est pas la lutte contre l'homophobie, puisque ce même Médine nous écrivait en expliquant aux musulmans qu'il ne fallait pas s'assimiler pour ne pas devenir un musulman light qui fasse un peu tarlouze. Une fois encore, je ne suis pas sûr que de tels propos soient à l'honneur de la gauche qui invite ce rappeur. Ce même rappeur qui nous disait qu'il fallait crucifier les laïcars à Golgotha. Ça, c'était les paroles d'un titre, mais effectivement, oui, c'est ce qu'il disait dans la parole. Dit, l'imam de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, serait pour lui un collaborateur. Et puis, moi, j'attends les paroles de Madame Rousseau, qui se dit féministe, quand elle saura que Monsieur Médine dit « J'entends ici s'insurger les pseudo-féministes, toutes ces bourgeoises hystériques, pleines de fumisterie ».